bienvenue sur Chef Ounet TV. Je vous propose aujourd'hui de cuisiner des sardines au gros sel à la plancha. Je vous souhaite un bon appétit. Cette recette de sardines au gros sel, je vais donc avoir besoin de belles sardines. Alors celles-ci n'ont pas le boucher le port de Marseille, c'est une galéjade, mais cette galéjade est basée sur des faits réels. Au 18e siècle, un bateau qui s'appelle la Sartine, avec un T, a coulé juste à l'entrée du vieux port de Marseille. Il était poursuivi par les Anglais. Et donc, il a vraiment bouché le port de Marseille pendant quelques semaines. Pour ces sardines donc à la plancha, je vais utiliser du gros sel de Guérande, des herbes, romarin, thym, un peu d'huile d'olive, et pour ceux qui aiment bien, du vinaigre condimenté basque, ou un citron. Pour habiller et vider nos sardines, nous allons avoir besoin de deux outils. Un petit couteau et une paire de ciseaux. Première opération à faire, c'est de retirer le plus gros des écailles. Avec le dos du couteau, bon, ici il y en a très peu. Ensuite, on prend les ciseaux. Et on va couper la queue, l'épine dorsale, qui est toute petite. Ensuite, on va carrément couper le ventre jusqu'à la tête. Et on va couper la tête. Après, il suffit de vider le contenu stomacal du poisson. Alors vous pouvez faire cette opération sous de l'eau courante. Hein. C'est même recommandé. Bon, là pour la démonstration, je le fais ici. Voilà. Alors, on va prendre une deuxième sardine. Nous allons faire la cuisson des sardines au gros sel. Alors, sur la plancha, on va étaler du sel de Guérande, quantité raisonnable, hein, c'est pas la peine de trop en mettre, c'est pas la peine de, non plus de mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, on va mettre des herbes, et on va venir déposer nos filets de sardines sur ce gros sel. Là, on ne met pas du tout de matière grasse. Ça sent bon les herbes.
le romarin, le thym, ça change les odeurs de la sardine. Alors, juste avant de les débarrasser, on va retirer quand même le surplus de sel.